On m'a dit que Stéphane Bern avait tourné dans le biopic de Castaner. Eh bien, moi, je suis très impatient de voir le résultat. Tala, Stéphane Bern et tala, Christophe Castaner dans Meurtre à Forcalquier. Bon, mais qu'est-ce qu'il fout, ce feignard? Tala, la, 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 la. Et bonjour, inspecteur Castaner. Je sors d'une after. Allez, au charbon. Les Black Blocs ont annoncé qu'ils allaient encore tout casser. Hein. Ça va être chaud. Hein. Eh bien, moi, je ne pense pas. Quoi? Je vais même vous dire une bonne chose, je crois qu'ils bluffent. Allez, je m'en fous, pas de flics sur les champs. Mais vous êtes malade? Mais attendez, ça fait 17 semaines qu'ils pètent tout. Mais justement, ils sont crevés. Faites-moi confiance, vous verrez, il se passera rien. Les Black Blocs sont en train de tout casser sur les Champs-Élysées. Quel camp? Mais enfin, fais demi-tour, la grosse, on doit aller à Paris, allez. Allez, fonce, fonce! Oh, flûte, on est arrêté. Dites donc, la vieille, comment se fait-il qu'on est arrêté? Parce que les gilets jaunes bloquent les routes. Ça fait 18 semaines qu'ils bloquent les ronds-points tous les samedis. Pas de raison qu'ils s'arrêtent aujourd'hui. Oh merde, j'avais oublié ce détail. Ben, vous êtes bien un con. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien rien, évidemment. Vous voyez bien qu'on est bloqué. Ah ouais, alors vous n'avez pas pensé à un plan B? Si, figurez-vous, j'ai peut-être une idée pour sauver cette soirée. Kumba. Dites donc, Christophe, c'est ça votre idée? Eh oui. Bon, Christophe, et l'enquête, là? Deux secondes, je danse avec Machine. Oui, mais il y a quand même un mort. Dis donc, Machine, on pourrait peut-être en profiter pour aller chez moi, c'est à deux pas. Mais je ne suis pas marié, dis-moi. Je vois pas le rapport. Bon, Christophe, on y va maintenant. J'ai quand même le droit de faire une pause sur le dance floor. Oui, schlingue, le bâtard. Je vais quand même prendre son pouls. Je crois qu'il est mort. Ben oui, il est mort. Le pauvre était serveur au Fouquet's. Voilà, il a cramé alors qu'il était en train de servir une entrecôte saignante. Oh. Elle est trop cuite. Tu sais, Machine, je le sens bien, ce remaniement. Je viens de recevoir une lettre de la présidence. Ouais. Lettre de l'Élysée. Oh, merde. Ben quoi? Bon, ben voilà, t'es viré. Pas grave, j'étais pas fait pour ça. Embrasse-moi. Casse-toi, Castaner. Je reprends du service. Oh, merde. C'est Gérard Collomb. Venez, Gérard. Je vous confie la grosse. Oh, putain. C'est vraiment de la merde, France Télé.